Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui le grand journaliste Michael Kirtley pour évoquer la situation en Afrique et dans le monde arabe. Alors bonjour Michael Kirtley. Bonjour Saïd. Alors on ne vous présente plus, vous êtes un grand journaliste, vous avez travaillé pour plusieurs grands médias comme Life, Newsweek, National Geographic, Stern pour ne citer que cela. Vos reportages ont été traduits dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Alors première question Michael, comment on devient journaliste international? D'abord, je crois qu'il faut avoir la volonté de l'être. Quand on veut être journaliste, ça veut dire qu'on a envie de communiquer quelque chose. Ça veut dire qu'on pense que sa parole vaut la peine d'être écoutée. C'est déjà ça. Deuxièmement, je crois qu'il y a beaucoup de pistes. Moi, j'ai souvent dit que pour devenir grand reporter, il faut taper aux portes de ceux qui font des grands reportages. Mon premier reportage dans le monde entier était pour National Geographic, mais c'était un peu spécial parce que j'ai réussi à travailler avec National Geographic étant très jeune. Mais néanmoins, par la suite, j'ai fait beaucoup de choses qu'on peut appeler le journalisme classique, c'est-à-dire les grandes interviews de différents chefs d'État, etc. Et j'ai toujours remarqué qu'il faut avoir du culot. Il faut savoir dire des choses et poser des questions qui sont intéressantes, non seulement pour vous-même, parce que je crois que les journalistes sont souvent trop épris de leur propre ego. Il faut savoir ce qui est intéressant d'abord pour la personne, évidemment, même si on veut poser des questions relativement dures, mais il faut savoir aussi ce qui est intéressant pour les lecteurs. Alors, vous avez une longue expérience journalistique. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire des journalistes par rapport à votre époque? Mais par exemple, quand je travaillais pour National Geographic, ils avaient la mentalité de dire « Vous partez faire une mission et vous revenez quand vous avez fini. » Ce qui voulait dire que quelquefois, ça pouvait prendre 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Moi, je suis parti faire un reportage pour National Geographic en Côte d'Ivoire, qui a duré 6 mois. Et jamais ils se sont plaints. Ils se sont dit « C'est ça la façon d'avoir la qualité » parce qu'ils savaient qu'ils allaient être connus pendant des années sur cet article. Même à cette époque, il y avait des revues qui n'avaient pas cette attitude, mais toujours est-il, je crois qu'il n'y avait pas cette pression d'avoir de l'information instantanée qui existe aujourd'hui. Je crois que c'est la grande différence qui existe entre aujourd'hui et à ce moment-là, c'est qu'on avait le temps de réflexion vis-à-vis, même dans les informations télévisées, on avait la possibilité de réfléchir avant qu'on dise quelque chose. Moi, j'ai regardé ce matin sur CNN, par exemple, et j'ai trouvé dans un article sur le Mali, sur la question du Mali, des erreurs, mais grossières, par rapport à la situation sur le terrain. Je suis sûr que ça n'aurait pas existé avant. Justement, on va revenir sur le Mali. Donc, vous connaissez bien l'Afrique. Alors, quel regard portez-vous sur l'intervention française au Mali? Je pense qu'il faut voir l'intervention française dans un cadre géopolitique et dans un cadre africain. Je crois que géopolitiquement parlant, la France se voit comme en quelque sorte le protecteur de certains de ces pays dans leur intégralité. Ils ont toujours dit ça, ils ont dit nous souhaitons que le Mali reste un pays intègre au lieu que ça soit un pays disloqué. Deuxièmement, il y a évidemment la question de la sous-région. La France, comme on sait, a beaucoup d'intérêt par rapport à l'uranium au Niger et peut-être par rapport à ces ressources qui pourraient exister au Mali. Et est-ce que, je suppose que dans l'optique française, on ne pouvait pas imaginer que toute cette région tombe dans un désarroi. Et je crois que vis-à-vis de ce qu'on peut appeler le terrorisme ou le djihadisme, je crois que, puisque c'est une question transnationale, on ne pouvait pas uniquement parler d'une question nationale au Mali. Et puisque c'est une question transnationale, on ne pouvait pas nécessairement penser qu'un gouvernement affaibli au Mali pouvait régler ce problème. Donc la France, surtout vu l'avancée des djihadistes vers le sud du Mali, était acculée, parce que je ne crois pas que la France avait envie d'intervenir directement dans cette histoire. Je crois qu'ils avaient envie que la CDAO prenne ses responsabilités. Mais ils n'avaient pas non plus envie que ça déborde sur le Niger, que ça déborde sur le Burkina Faso. Et je crois qu'ils étaient quelque part pris au piège, parce que la France sait très bien qu'il y a une question d'image. Donc cette intervention était peut-être prise à contre-volonté, mais c'était pris pour protéger ses propres intérêts aussi. Alors vous connaissez bien l'Afrique, vous connaissez bien également le monde arabe. Alors quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle le printemps arabe? Personnellement,
Je pense que ces différents leaders dans le monde arabe, que ce soit Moubarak, Gaddafi, Ben Ali et d'autres, étaient arrivés à un moment d'épuisement, de fatigue. En même temps, grâce à l'Internet, grâce aux médias sociaux, il y avait une connaissance des choses bien plus répandues qu'existaient auparavant. Donc je crois que la volonté populaire que nous avons vue, notamment en Égypte et en Tunisie, était une volonté qui c'est une évolution qui existait à l'intérieur de ces pays par rapport à la responsabilité populaire. Donc, quand nous avons vu les étudiants et bien d'autres personnes aller dans la rue, c'était pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de ces gouvernements fatigués. Personnellement, je pense que pour le monde arabe, à court terme, c'est une chose qui va créer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, comme dans n'importe quelle révolution. Je dis souvent, on ne peut pas dire que les Arabes devraient être différents que les Français. Les Français ont connu pendant leur révolution une contre-révolution, la terreur, et éventuellement ça a mené à l'Empire sous Napoléon. Ensuite, il y a eu d'autres révolutions. Donc on ne peut pas dire, mais les Arabes doivent être les plus propres du monde par rapport à leur propre révolution. Vous êtes optimiste à long terme. Je suis très optimiste parce qu'une fois que nous avons créé cet engouement vis-à-vis de la responsabilisation civile, je crois que ça ne peut pas être enlevé par la suite. Alors, vous avez interrogé différents chefs d'État, donc le président François Mitterrand, Nelson Mandela, Yasser Arafat, mais également Gaddafi. Quelle image, justement, gardez-vous de Gaddafi? Ma rencontre avec Gaddafi était à deux reprises il y a quand même pas mal d'années. Donc, je l'ai connu dans son apogée, si on peut dire, quand il était non seulement au pouvoir, mais aussi... quand tout ce qu'il disait était répandu dans le monde entier et on débattait de ce que disait Gaddafi par ses paroles et pas seulement par ses gestes. Il était presque une symbole d'une certaine souffle qui existait dans le monde arabe pour le monde extérieur. À l'intérieur de le monde arabe, il était vu différemment que ça. Donc, à cette époque-là, Gaddafi avait une volonté, je crois, de créer une nouvelle vision de la société, en tout cas ça c'était sa propre vision, mais il ne voulait pas le faire d'une façon très démocratique. Je crois qu'il y avait ces deux choses qui jouaient à l'intérieur de lui. Quand je l'ai rencontré, j'ai toujours dit que Gaddafi, même dans son fort intérieur, il voulait garder un certain aspect de nomade. Il m'a rencontré en haut d'une dune, d'abord, pour la première fois qu'il m'a rencontré. Et on a tous mangé, en tout cas, je travaillais à l'époque avec ma femme, en tant que co-reporter, et on a mangé, lui, moi et ma femme, autour d'une gamelle de macaroni, qui est avec une sauce tomate. Donc, il y avait cet aspect aussi de Gaddafi qui, je pense, n'était pas faux. Je veux dire, c'était un aspect qui était, lui, il se voyait lui-même comme étant un chef rebelle, une chef nomade, et il voulait créer la zizanie partout où il pouvait faire, parce que c'était aussi une manière de faire qui lui octroyait une certaine puissance vis-à-vis. Personne ne savait ce qu'allait dire Gaddafi par la suite. Par contre, je pense qu'au fil des années, il a commencé à croire beaucoup trop dans son propre image, et je crois que ça l'a déjoué à la fin. Alors, dernière question, vous lancez un projet, plutôt un documentaire, qui s'intitule « The World Memory Film Project ». En quoi consiste ce documentaire? Je pense que le World Memory Film Project devrait être un projet très intéressant pour le monde musulman parce que pour la première fois, on donne la possibilité à la jeunesse et à d'autres personnes du monde entier de parler de leurs expériences propres ou bien de leurs émotions vis-à-vis des grandes, ce qu'on peut appeler d'un côté génocide. Nous avons créé un nouveau mot, xénocide, formé de xénophobie et génocide, pour dire que c'est un regard sur l'autre. Comment est-ce qu'on regarde l'autre et on décide qu'il mérite d'être tué? Et donc nous avons créé un programme où, à travers le monde, nous allons solliciter des histoires vidéo de 3-4 minutes des quantités, des milliers, peut-être des millions de personnes à travers le monde. Et on demande justement à travers Ouma Media que la communauté musulmane s'intègre à cette volonté, non seulement par rapport au monde musulman, mais par rapport à tout ce qu'il voit comme iniquité qui mène à la tuerie partout où ça se trouve. Merci à vous, Michael Courtley. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.